Bonsoir à tous, bienvenue sur Pixel Barbecue TV. Alors ce soir, on va se faire une petite partie d'un titre un peu étrange, déjà qui s'appelle Gynophobia. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la gynophobie, c'est la peur et la haine des femmes. C'est ça existe, hein, tout à fait. Vous avez l'homophobie, la xénophobie, vous avez la gynophobie aussi. Et il y a quelqu'un qui a fait un jeu type FPS, horreur, qui n'est pas somme toute très très beau, pour dire ce qu'il est. Mais bon, le concept me paraissait un peu dingue, alors je me suis dit, on va essayer de voir ça en vidéo. Donc, j'allais quand même sortir l'idée. Donc, on va continuer, enfin, lancer une toute nouvelle partie, on va voir ça. Alors, vu la première personne, de fait, ce n'est pas excessivement beau. Pourquoi maman lit ce livre? Donc, au moins, il n'a pas peur de sa mère, c'est déjà pas mal. Il y a un soutif par terre, c'est la chambre de sa mère, il y a un soutif par terre, c'est un peu glauque. Des drôles de tableaux. Alors, la peur anormale des femmes. Bienvenue dans la gynophobie. Alors, on va voir ça. Alors, on est dans la peau d'un mec qui a plusieurs phobies, visiblement. Nobody. Ah, ça tremble, il y a une araignée par terre, Ouf, plus d'araignée. Alors, j'ai rapidement lancé tout à l'heure une partie, hein, pour voir. Et ici, on peut jouer à un jeu Dead Hunger, un jeu de zombies. J'avoue, je ne sais pas trop ce que ça fout là-dedans, mais on va voir après. Shadow Speak. Enfant d'inquisition, rien à faire d'autre ici, visiblement pas, et cette petite bestiole charmante me bloque le passage, je ne peux pas avancer. J'imagine qu'il faut que je joue au jeu d'abord alors. Il y a quelqu'un quand même grosse, hein. Alors, voyons ça. Allons-y, alors j'ai essayé rapidement, je suis mort très vite. Parce que je suis très mauvais tireur, donc il n'y a pas de... 1, 2 et 3. D'abord que tout à l'heure j'ai tiré une balle et il y a 7-8 zombies qui me sont tombés dessus. Prêtez l'oreille, vous entendez un des grondements. Ah ben voilà, je suis déjà mort. Je vous dis, je suis très très mauvais au... Je tire, mais faut dire que. Ils sont rapides et ma vie descend très rapidement. Je vais essayer un truc. Le couteau est plus puissant que le flingue. C'est souvent le cas. Hein. Le couteau est souvent plus fort que les flingues. Ah. Bordel, j'ai à moitié mort parce que j'ai tardé à changer d'arme. Bon, je pense que tous ceux de la zone, je les ai eus là. Ça, c'est de la vie, ok.
boîte de conserve rouge, c'est la vie. Alors, je sais toujours pas ce qu'on fout là. Hein. J'espère d'avoir beaucoup beaucoup d'ennemis parce que je suis déjà à moitié mort. Ici tout va bien. J'ai pas peur parce que le jeu fait peur. J'ai peur parce que je suis très mauvais, j'ai pas envie de remourir, de recommencer une nouvelle fois. Oh putain, il est grand. J'ai déjà plus de balles, hein. C'est fou. Je vous dis, je tire très mal. Alors. Jusqu'ici, j'admets pas trop voir le rapport avec la gynophobie, étant donné qu'on tue aussi des mecs. En tout cas, les monstres, les zombies sont sensibles au bruit. Le couteau reste quand même l'arme la plus puissante. J'ai encore entendu un râle de zombie. Oui, il y a d'où lui. T'es coincé dans le décor. La bonne nouvelle, c'est que tant qu'on est silencieux, vite quand même. Moment d'aller chercher le rap de vie. Ok, donc il frappe plus ou moins à 25 par coup. Encore un zombie dans la flotte, je préfère être prudent. Mais qui tape fort ces gens? Saute haut quand même. Il y a des chances que je puisse aller choper la vie qui est là. Ouf, c'est bon.
Pourquoi je me suis fait mal? Je suis tombé dans l'eau? Sérieux? Bon, tant pis, y a une échelle ici. On va voir où ça mène. Oh le con. Ah je vais crever là. Il y a un gros mec qui me poursuit, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il me poursuit toujours. C'est un peu stressant. Je te rappelle que j'ai 3 points de vie déjà, donc c'est... Ok. Oh, il a fait combien de balles pour crever ces mecs? Oh, bon, je vais partir ailleurs, on va essayer de voir. Oh. Sérieux quoi. Bon, j'ai toujours pas trop pigé le principe, hein, mais... Putain, mais ce mec me poursuit mais tout le temps, quoi, c'est un Némésis. Ok, bon. Ok, une dernière fois, parce que là, ça me gave un tout petit peu. J'aimerais bien comprendre pourquoi, le pourquoi du comment du putain de quoi. Donc, le placement des monstres n'est pas aléatoire, c'est déjà une bonne chose. Faut que je charge mon coup avant, quand même, parce que chaque fois que je prends des coups, ça va pas. D'abord faire un tour complet pour débarrasser des zombies. Avant que Jean-Rémy me poursuit. Oui, je sais, on va trouver des roues, etc., etc. C'est bien gentil, mais ça me fait chier pour l'instant. Ah putain, ils sont beaucoup. Il y en a partout quoi. Eh ben voilà, ah ben je vais essayer d'avancer un petit peu plus loin histoire de voir un peu comment passer ça, parce que clairement c'est pas simple.
Et on essaiera de trouver le rapport à la gynophobie un peu plus loin dans le jeu, parce que l'arachnophobie, je l'ai bien vu jusque-là, la zombiophobie, je ne l'ai pas encore trop bien constaté. Notre personnage n'a pas l'air d'être spécialement apeuré par les zombies, mais en tout cas, on verra ça une prochaine fois. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt sur Pixel.